Merci. Il faut nous mettre fin avec ça. Parce que trois mondes, et pas seulement nous-mêmes, non, plusieurs autres mondes font RSA. Je pense que c'est Babylone. Parce que l'offre RSA, on pourra le faire. On erre dans partie des principes. Et le principe, la fin dès le commencement. Le premier sera le dernier sera le premier. Par exemple, bon, mon exemple. Parce que l'Empire Assyrie, c'est Néo qui prend bon, l'Empire Ottoman, et c'est lui-même qui pourra le remplacer la Turquie. Ça veut dire, l'or est musulman, l'or est orthodoxe, l'or est la Turquie, Erdogan, Dapmanke, Emmanuel Macron, Degara. Son aspect historique, parce que le général Berthier pral arrêté, pape là, c'était une blessure mortelle qui pral prend. Et l'Empire Ottoman pral perdre pouvoir, ça pral gon ensemble de bagages. Ça veut dire, le premier sera le dernier sera le premier. Magatan entre dans ça ensemble avant. On prend l'autre verset pour moutro, les apprend Babylone. Non. Babylone non, sont erreurs historiques qui pral dévier le principe, la fin dès le commencement, ou encore le premier sera le dernier et le dernier sera le premier, qui pral balle fin, yo, parce que là-dessus, qui gagne ensemble de rôle à jouer. Qu'on y a maintenant, on prend l'autre verset pour capable. Ouais, dans sa mabzoula. Dans même Esaïe chapitre 7, nous sommes au verset 17. Nous sommes au verset 17. Écoutez bien. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple, et sur la maison de ton père, et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y a point depuis le jour où Éphraïm, depuis le jour où Éphraïm s'est paré de Juda, depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, Éphraïm Israël, ayant pour capitale la Samarie, Juda, c'est l'autre partie, ayant pour capitale Jérusalem. Ça veut dire qu'on va le scinder et on va le Éphraïm. Ou encore Israël pour faire alliance ensemble avec le roi de la Syrie pour faire une coalition pour yo attaquer Juda. Et l'Éternel dit, pendant 65 ans, l'a retiré et l'a séparé. Nous sommes au verset 17. Depuis le jour où Éphraïm s'était séparé de Juda, le roi d'Assyrie. Et dans ça, l'autre étudiant, on va le montrer qui est là, dans qui. Chapitre 8, nous sommes au verset 4. Sous quoi dans la Bible? Okay. Bien entendu. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, où emportera devant mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Il pourra le prendre, yo. Et peuple yo pralé en Israël. Parce que bon côté, il pral sain de tout. Il pral prendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon frère, c'est un professeur, Lyon, c'est la Bible. Pour montrer au premier empire là, c'est 238 ans, 268 ans, 880 à 612. Premier empire là, tu as pralé diriger. Et à partir de là, qui c'est la Syrie, c'était premier monde. C'est pas de Babylone qui peut imposer un calendrier. Et nous suivons l'aspect historique, étape par étape. Merci beaucoup, professeur. Et merci beaucoup que Yeshua ouvre l'esprit pour capable comprendre ça. Parce que personne n'a gagné la science infuse. Et ce n'est pas un seul monde en Haïti que Yeshua capable d'expliquer vision seulement. Il y a l'autre monde. Merci.